Bonjour et bienvenue sur le vignoble du Champagne-Cossy. Nous sommes ici à Pargny-les-Reims, commune classée en premier cru de la montagne de Reims et plus particulièrement de la montagne Ouest. Notre vignoble s'étend sur les communes de Jouy et Pargny-les-Reims, Courma ainsi que Arcy-le-Ponsard sur la vallée de l'Arbre. Nous avons 1 hectare de chardonnay principalement installé sur Pargny-les-Reims, 3 hectares de pinot meunier, 3 hectares de pinot noir, ce qui va nous permettre d'avoir des cuvées extrêmement complètes car nous allons vinifier quasiment toujours les 3 cépages qui nous apporteront pour le chardonnay de la finesse, pour le pinot noir de la charpente et de la structure et le pinot meunier qui nous apportera beaucoup de rondeur, de fruits et de charme. Nous sommes vignerons depuis 1764 et mes grands-parents ont commencé à commercialiser le Champagne-Cossy dans les années 50. Mes parents ont repris le flambeau dans les années 70 et aujourd'hui, ma mère et moi sommes à la tête de l'entreprise depuis à peu près 5 ans. Aujourd'hui, notre entreprise se tourne bien évidemment vers la féminité. Nous retrouverons cette féminité dans nos assemblages au travers de la finesse de notre floral et fruité. Quand j'ai décidé de devenir viticultrice champenoise, c'était tout d'abord par passion. Et puis ensuite, il a fallu que j'apprenne sur le terrain, car certains aléas de la vie m'ont privé des personnes qui avaient cette connaissance et cette sagesse. Il a fallu donc que je parte un peu à la découverte de mon vignoble, pour le comprendre, pour savoir comment ces sols fonctionnaient, comment s'opérait la maturation, qu'est-ce qu'ils allaient me donner à la vendange. Ça m'a permis de m'enticher de certaines parcelles et véritablement de vivre cette passion et cet échange avec la nature. Une page se tourne avec cette nouvelle cuverie, car grâce aux enseignements et à la sagesse de nos anciens, nous avons pu repenser autrement, penser mieux, pour produire toujours mieux. Et de ce fait, aujourd'hui, le Champagne-Cossy se tourne réellement vers la modernité grâce à ce merveilleux outil. Les deux points forts de cette nouvelle cuverie sont tout d'abord les volumes qui nous permettent une grande liberté dans le travail, qui nous permettent de mieux réfléchir nos assemblages. Et deuxièmement, cette cuverie a été pensée pour que nous puissions intervenir le moins possible sur les vins, c'est-à-dire que grâce à de grandes cuves et à la gravité, nous allons pouvoir intervenir de moins en moins et laisser le vin travailler de lui-même. Je vous propose de découvrir les Champagne-Cossy. Vous allez découvrir des champagnes fruités et gourmands grâce au terroir de Jouy et Pargny-les-Reims, ainsi que le style de la maison Cossy. Les différents assemblages ainsi que les différentes années assemblées vont nous permettre de vous proposer des cuvées extrêmement différentes qui vont pouvoir convenir à différents moments de vos vies. Un millésime est une cuvée bien particulière car nous n'y incorporons pas de vin de réserve. Cette cuvée va vous raconter des histoires, des secrets et je vous propose de démarrer donc avec le 2005. L'année 2005 fut une année plutôt particulière à cause de son climat par exemple. Nous avons eu un hiver rigoureux avec de la neige, des gelées, donc un hiver plutôt classique, un printemps chaud et relativement peu pluvieux, et par contre un mois d'août assez désastreux de par la pluie. Heureusement, septembre est arrivé et nous a permis d'avoir pendant la seconde quinzaine du mois un temps magnifique, ce qui aura permis à nos raisins d'avoir une excellente maturité. Notre cuvée Vieille Vigne est issue de nos plus vieilles vignes âgées de plus de 35 ans. Pour ces vignes, nous avons des exigences particulières, comme par exemple au niveau des rendements, ainsi que de la maturité et de la concentration des sucres et des acides. Pour moi, être viticultrice champenoise est une vraie chance, une vraie passion, qui se vit que ce soit dans mes vignes, dans ma cuverie ou à vendre le Champagne-Cossy à travers le monde.